Et bonjour à tous, c'est Svenki pour Ergaming. Alors, on reprend notre petite partie d'Autonautes. C'est le deuxième épisode, hein. Dans le premier, on a commencé un peu à automatiser la production forestière. Bon, voilà hein, ce que ça donne, c'est le bordel. Donc maintenant, on va commencer à épurer un peu la zone. On va construire un peu de stockage. On va construire de quoi automatiser la production d'outils. Et puis, ce sera déjà pas mal. Donc on va voir comment on s'en sort déjà avec ça. Alors, pour automatiser la production d'outils, ce qu'il me fallait, c'était déjà construire un robot qui va aller chercher de la pierre. Voilà, puisque la pierre, avec comme les bâtons, ça fait partie de des éléments obligatoires. Alors c'est parti. Donc on va hop, voilà, construire un petit robot qui va nous faire ça bien. Hop. Moi j'ai une hache. Ok. Il nous faut des bûches. Hein. Une bûche. Yes. Photo, une graine. Il va nous falloir deux planches. Ok. Tac. Ah bah lui il peut plus avancer puisque son stockage va être rempli. Pas très très grave. Tac. Voilà. Et voilà, donc on va le remonter. On va pas forcément lui donner la pioche tout de suite. Je vais d'abord lui montrer ce qu'il doit faire. Voilà. Ce que tu dois faire, l'ami, tu vas là-bas et tu casses tout. Tout simplement. Dans une zone comme celle-ci. Voilà. Bien ça. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'une plus grande zone. Ok. Et tu fais ça, donc du coup, jusqu'à ce que tes mains, tu aies les mains vides. Et quand tu auras les mains vides, tu iras chercher. Tu iras chercher. Bon, on va ajouter au stockage. Ok, c'était pas ça. Je l'ai ajouté. Alors, hop. Voilà. Ça, on le fait pour toujours. Donc, moi, je vais remettre. Oups. Mince. C'est pas grave. J'ai remis la pioche. Et je lui dis que c'est parti. On va devoir faire un autre robot qui, lui, va aller chercher la pierre. Et ben, va la stocker. Des bâtons, donc il faut que j'aille faire un peu de planche. Le petit 1 là au-dessus de ma tête, ça veut dire je crois que je suis en train de réaliser un objectif. Alors lequel, je ne sais pas. Voilà, les autres bâtons, on les met là. On n'a pas de stockage pour le moment. Et les bâtons doivent être stockés dans les palettes, pas dans les caisses. Voilà. Ah non, si je ne vais pas le ramasser, je veux le couper. Faut que je me dépêche puisqu'en plus, à mon avis, les robots là, ils vont bientôt être à court.
pense que leurs matériaux vont bientôt. Enfin, leurs matériaux, leurs outils vont bientôt se casser. Faut pas que je traîne trop. Hop. Pas ça. Ça plutôt. Voilà. Et c'est parti. Ah, bah voilà. Vous pouvez le voir, je suis débloqué. Bon, c'est pas trop grave. Allez. On va programmer ce robot. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit aller ramasser une pierre. Voilà. Ouais, la zone est ok. On peut la déplacer un tout petit peu, histoire de, au cas où. Voilà. Et il va faire ça jusqu'à ce que ses mains soient pleines. Voilà. Puis, il va aller déposer. Jusqu'à... Voilà, parce que ses mains soient vides. Toc. Toc. Et tout ça pour toujours. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on vient de faire la première étape pour pouvoir automatiser. Alors, je vais juste, du coup, tenter de déplacer ma structure. Je vais la mettre là. Je vais les mettre en face des hop, des trucs, des caisses. Je trouve ça plus logique qu'ils soient en face des, que ce soit en face des caisses. Voilà. Alors maintenant, on va aller chercher de la bûche. Je pense que c'est pas grave si on est en stand-by vu tout ce qu'il y a là pour le moment. On a de quoi faire sur le, au niveau construction. Allez, un peu de nerf. Ah, il me faut deux bâtons. J'aurais dû en ramasser quatre. Je suis pas très efficace quand même. Hein. Je pense que je perds beaucoup de temps en étant justement pas très efficace. En plus, j'ai des bâtons là-dedans. C'est vraiment ridicule ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave. Pas grave, j'ai su. Et ça va m'arriver encore. Alors lui, il est fatigué. Ok, on va aller le recharger, c'est pas grave. Hop, on a combien là? 8. Ok. D'accord. Allez, vas-y. Remets-toi un peu. Cool. Donc on a dit quoi? Donc on a dit... Là on a une hache hein, déjà. Donc là on va faire... Les bêches et là la pioche. Voilà. Donc je vais me construire un robot. Voilà. Qui va? Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il s'en va? Pourquoi il recommence pas? Ah, il attend qu'il y ait quelque chose, c'est ça? On dirait. Ok, bon. Pas grave, il fait comme il veut. L'important, c'est qu'il fasse quelque chose. Voilà, on dépose notre petite bûche. Il nous manquera une graine. Et les trois planches. Ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Pas grave, ça va bien se passer. Et maintenant, les trois planches. Toc. Non, voilà. La planche qui va rester, on va la mettre à côté. C'est toujours ça de gagner. Donc, alors, ce qui va se passer maintenant. Je vais prendre mon robot. On va voir si je peux peut-être, avec un peu de chance, je peux peut-être tout faire. Je peux peut-être aller
On va essayer. On va essayer d'en faire le maximum avec un seul robot. Alors, c'est. On va le choper. Et je lui dis. Tu vas chercher une pierre. Tu la déposes ici. Tu vas chercher un bâton. Tu le déposes ici. Ah, mais non, ça n'a pas marché. Je peux pas faire plus. C'est pas grave. Et quand tu as terminé, tu récupères ton produit fini là. Et tu le fous là-dedans. Non, ce n'est pas possible. Oh, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Il manque la possibilité de répéter. Ça, c'est bête. On peut pas optimiser ça là. Ah, il manque une étape. Je suis trop déçu. Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour nous frustrer. Bon, c'est pas grave. On va pas le faire. Est-ce que si on enlève ça, est-ce que ça peut marcher ça? Ben non, parce qu'il veut pas savoir où est la hache. Allez, c'est pas grave. Donc on va faire ça jusqu'à ce que ça se soit plein. Jusqu'à ce que ce soit plein. Non, j'ai fait une bêtise. Jusqu'à ce que. Jusqu'à plein. Voilà. J'ai choisi. C'est tout bête, mais c'est efficace. Allez. Alors, qu'on va refaire un robot qui va faire à peu près la même chose. Là, on tout va bien ici. Ok. Alors, des planches, tac, un poteau, voilà, il nous manque une graine et une planche. Et du coup, je comprends pas en fait, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est bloqué? Je vais voir ça tout de suite, parce que ça me gêne un peu de voir un mec bloqué. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, ton objectif à toi, c'est quoi? Ah, t'es arrêté? Pourquoi? C'est moi qui fais ça? Bon, possible. Ah oui, le gars avec la pioche, il n'a pas de pioche. C'est moche. D'accord. Alors, donc on a fait quoi? Il nous manque une planche. Allez. Poser des affaires ici. On va les choper de quoi faire des robots un peu plus rapidement. Je vais mettre un peu de ressources devant le truc là pour éviter à chaque fois de devoir pas m'embêter hein, tout simplement. On continuera d'aller chercher des bûches mais on peut avancer un petit peu. Ok. Alors. En fait, on va finir là.
tout bête, mais on va finir ça. Donc toi, tu vas là. Tu ramasses ça. Tu mets dans le stockage. Tu fais ça jusqu'à ce que le stockage là soit plein. Voilà, et c'est tout. Voilà. Quand tu auras les autres, on fera la même chose en fait. On essaiera de garder un seul bonhomme, un seul robot pour essayer de tous les mettre là. Je devrais pouvoir en faire deux en tout cas au moins. Là, mon stockage va bientôt être rempli, à mon avis il va s'arrêter. Eh oui, il s'est arrêté. C'est pas mal, ça marche. Donc, on va refaire un robot. Hop. Voilà. Ok. Une graine. Ça va plus vite hein, quand on fait un peu de réserve. Ça ira encore plus vite quand on aura... Quand on aura les stockages. Toi, tu vas faire comme tes copains, comme ton copain, du coup, tu vas aller chercher un caillou. Quoi? Ah, j'ai pas de caillou. Merde. Alors, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on va mettre un caillou là-dedans. Voilà. Donc on vire tout ça. Donc tu vas aller chercher un caillou. Non! Oh l'enfoiré! Il a piqué le caillou. J'y crois pas. Mais arrête, mon stockage il est plein. C'est moche. Franchement les gars c'est moche. Ouais lui il a plus d'arbres à planter. Parce que lui, il travaille plus là. Bon, attendez. Pourquoi tu bosses plus? Ah, et bah oui. Mais c'est normal qu'il bosse plus. Bon. On va faire une petite entorse à ce que je voulais. À mon petit programme, mais c'est pas grave. Je vais. Faire une bêche. Voilà. Tant pis. C'est que je devrais pouvoir récupérer son truc. Non. Je peux pas cliquer sur mon robot là. Non. Non, je peux pas. Bon. Alors. Comment je fais du coup? Bon, bah, je vais aller chercher un caillou. C'est pas grave. Je vais aller chercher un caillou. Rien à voir quelque. Bah voilà. Voilà, merci. On va construire. Voilà. Alors, du coup, toi, ça me va pas. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est pas bon. Parce que du coup, il s'arrête. Ouais, je veux pas qu'il s'arrête, en fait. Donc... C'est pas grave. On va travailler ça après. Donc tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. Tu vas chercher ça et tu l'amènes ici. Voilà. Oh non, je peux pas. Ça marche pas. Merde. Non, du coup c'est pas ça, on va faire pour toujours, hein, tant pis. Pour toujours. Ah.
Sauf que là tu vas arriver dedans et tu peux rien faire, mais c'est pas grave, et du coup t'es pas arrêté. Donc maintenant je vais me faire une pioche. Je vais rechercher un caillou. Ah oui, puisque sinon ma production de cailloux, ça avance pas. Pas de cailloux. Pas d'outils. J'ai pas du tout de pioche nulle part. Allez, évidemment, là je vais trouver aucun caillou. Ah, quand même. J'étais obligé de faire le tour du monde. Hop. Donc toi là-bas, ça va être pareil. On va te modifier. Tu feras pas jusqu'à ce que ce soit plein. Puisque ensuite tu fais rien. En fait, même il est en stand-by, donc ça veut dire qu'il reprendra même pas quand. De toute façon, le truc n'est pas plein, hein, comme vous pouvez le voir. Il ne reprend pas. Et ça, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là, la prod va reprendre. Donc on a fait quoi? On va modifier ça. Donc là, c'est. Ah oui. Mince, c'est pas ça. On dit toujours pas. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut qu'il fasse ça pour toujours. Après, on va réfléchir. Il y a peut-être une autre méthode. Hein. Mais bon, pour le moment, on va lui dire qu'il fait ça pour toujours. Donc, le truc, c'est que quand il va arriver devant, devant la caisse, et qu'elle sera pleine, bah, il va rester devant en attendant qu'elle ne soit plus pleine. Ce qui finalement me convient, parce que c'est ce que j'ai demandé. Alors. Donc lui, il fait quoi, lui? Celui-là, là. D'accord. Rien, pour le moment. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ok. Donc, ce qu'on va te demander... raté. On va te demander à toi... on vire tout. C'est de... prendre un caillou, le déposer. Prendre un bâton, le déposer. Et pour toujours. Voilà. Ni plus ni moins. Ouais, quand même pour toujours. Non, c'est le pour toujours, ça me gêne quand même. Alors attends. Tu vas t'arrêter un peu, c'est pas pour toujours. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on peut peut-être mettre... alors, c'est que je vois pas. Je vois pas s'il y a un timer. Parce qu'en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse en faire un, qu'il attende un peu, qu'il recommence. Mais je sais pas si je peux faire ça. Bon, bah, pour le moment, écoute, tu vas le faire pour toujours. On verra si je peux faire mieux que pour toujours. Et donc on va faire un robot pour ramasser. Ah, ah oui, il faut que je fasse un robot aussi pour lui là. Le... Et ben, il va nous en falloir des robots, hein, je vous le dis. Allez. Sors ma pioche. Pas du tout. Voilà.
J'en ai à 4. Alors on va refaire encore un petit stock. Qui sont là. Cool. Et ben voilà. Très bien. Génial. Petite dalle commémorative, ça fait toujours plaisir. Hop. On va rajouter un petit peu. Ok. Et celle-là, je vais les couper pour en faire des poteaux. Voilà. Et voilà. Prendre une hache ici. Et puis c'est tout. Toc. On va les déposer. Voilà. Il va me manquer donc un bâton. Un poteau. Un bâton. Et voilà. Super. Bon, je te remonte. Je vais te proposer d'aller chercher ça. Là. Je vais le poser là. Voilà. Et ad vitam aeternam. C'est parti. On reprend, hein, parce qu'on c'est pas fini. C'est un peu fastidieux, mais on se dit que d'ici peu, tout va tourner plus ou moins tout seul. Et ça, ça fait plaisir. Je dis plus ou moins parce que bon, il y aura toujours des petits couacs, mais c'est pas très grave. Ah non, un seul. Voilà. Toi, j'aimerais bien que tu tombes pas en panne ici, s'il te plaît. Alors, toi... 10, ça veut dire qu'il n'y a personne encore qui est venu chercher une hache. Bon. Donc là, il manque une planche, j'ai dit. Hop. J'ai ramené des bûches, en fait. Je vais en prendre 3 ou 4. Ou alors je vais faire tout de suite un stockage. Je vais faire un stockage de bûches. Tiens, je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc le stockage, il me faut une bûche. Puisque c'est un peu casse-pied. Donc je vais faire. Le prochain robot en fait, il va aller chercher de la bûche. Il faut 3 planches. Je vais chercher une bûche que je vais mettre là. Et la coupe. Voilà, je vais prendre une autre que je vais caler ici. Je pense que je vais me refaire aussi un autre robot pour planter. Bon, voilà. Hop, on coupe. Il va me falloir des poteaux aussi. Hein. Donc j'oublie. Non, non. Ouf, bon, c'est pas grave. J'aurais pu le faire quand même. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Et on coupe ça. Et voilà. Toc. Et toc. Hop. Donc qu'est-ce qui va me manquer ici? Il manquera des planches. Donc là, je vais juste faire ça. Super. Et... on a dit quoi? J'ai déjà oublié. Ok. Il me faut une planche. Non, voilà. Merci. Il faut 2 planches pour le coup, pas une. Puis j'ai failli faire n'importe quoi, encore. C'est bon. Il faut vraiment que je lui fasse ici son robot. Son robot chargeur. Donc. Toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher des bûches. Tu prends... Oh, non, évidemment.
creuse. Ah, tu vas te déplacer vers ta bûche. À proximité de zone maximale. Ici. Voilà. Et tu vas la jeter ici. Voilà. Toc. Et tu fais pas plus pour le moment. Ce sera déjà pas mal. Comme ça, je vais avoir de l'ébûchement. Alors, est-ce que mon robot chargeur est là-dedans? Ouais, a priori, hein. C'est pas grave, on recharge tout le monde. Voilà. Donc, je vais faire un robot chargeur pour là-bas. Avant, quand même, je vais juste faire... Je vais quand même faire une pioche. Juste au cas où. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un robot chargeur. Donc, je vais aller chercher une bûche. Il va nous manquer nos deux planches, trois planches pour le coup. Je vais sortir un peu là, je vais mettre là, je vais mettre tous mes roumains à côté. Et toc. Non, on va pas faire de. J'ai dit non. Voilà. Puis il faudra aussi que je fasse un robot chargeur pour ici. Parce que... Là, j'en ai pas, tout simplement. Voilà. Alors après, peut-être que je peux faire un robot chargeur qui prend la zone ici. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Ouais. C'est pas grave. Vas-y. Il va bientôt être fatigué, c'est le bon moment. Toc. On va juste attendre qu'il tombe un peu dans les vapes. Merci. Voilà. Super. Et juste la zone. Zone max. Qu'est-ce qu'on sait faire là? Ah, c'est correct, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Écoute, on va faire ça. Et tu vois. C'est parti. Donc lui il va s'occuper de tous ceux qui seront dans les parages. Oh putain. Ouais. Ah oui, y en a plus. Y en a plus. Et quand j'aurai automatisé de toute façon les trois outils là. Ça ira moins vite, hein. Là les baies j'en ai plein puisque tout n'est pas encore bien automatisé, donc ouais, on a arrêté la production de haches, d'ailleurs on va la relancer. Oui, toi. Donc on va faire un petit pour toujours. Voilà, si vous savez comment on fait pour... faire en sorte qu'il ne fasse pas pour toujours, n'hésitez pas, je prends. Donc, bah maintenant la suite, hein, on continue. Parce qu'on n'a pas terminé. Je vais me faire aussi un robot qui va couper des planches. Voilà. Toc. Commence. Voilà. Donc, on va prendre nos trois planches. On va les mettre ici. C'est bien.
3 planches. Voilà. Hop. On va prendre une bûche aussi. Tellement de bêches. Allez, on va chercher une graine. Ok. Toi, ben, c'est comme les autres, hein. Tu vas aller chercher un caillou. Alors, il faut que j'attende qu'il y en ait un. On va attendre un peu, hein. C'est pas grave. Il va juste falloir que je sois vif. Allez, 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 dépêchez-vous. Bon. Voilà, il arrive. Sérieux les gars? Ah oui, attends. Voilà. Hop. Donc, on va faire ça. Déplacer vers le stockage de pierre. On dépose la pierre ici. On va aller chercher un bâton. On dépose le bâton ici. Alors, qu'est-ce qu'il va pas? Ok. Et puis, on fait ça. Voilà. Hop, on range la première hache. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais construire un stockage pour les planches. Franchement, les planches, je vais le mettre ici. Voilà. Prendre une bûche. Une bûche, trois planches de poteaux. Ok. Donc, on avance. Voilà. Top. Je vais lui dire que c'est un stockage de planches, hein, en allant couper une planche ici. Voilà. Toc. Je vais la coller là. Pas du tout. Voilà. Alors. J'ai beaucoup trop de bêches. Beaucoup trop, beaucoup trop. On peut faire, bon, on va le faire après. On va aller dans l'ordre. Donc là, je veux lui. Donc lui, il prend soit des bûches qui transforme en planches, soit des planches qu'il transforme en poteaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ici, c'est. Ouais, on peut faire les deux ici.
Voilà. Puis on va en profiter pour faire tout de suite le stockage des poteaux. Voilà. Donc il me faut une bûche et une hache. Ça tombe bien. Une bûche. On va faire les deux. Même les trois pour le coup. Voilà. Hop. Et il y a donc deux haches. Une hache là. Voilà. Et une hache ici. Ah mais ici j'ai pas de... J'ai pas fait de robot pour ramasser ça. Bon c'est pas grave, dans un premier temps on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Donc toi tu vas nous faire des planches, oui. Et toi, tu vas nous faire des poteaux. Il nous faut donc deux robots. Ah oui, t'as plus de place. Hop. Il faut qu'un seul... Oui, des planches. Super. On va s'en refaire une. Voilà. On n'est pas trop mal. Ok, là, il nous faut des planches. Et deux poteaux. Voilà. Toc. Pour la suite, je fais ça. Et comme ça, je transforme direct ce truc en stockage pour poteaux. Voilà. Alors ici, tout va bien. Ok, tout va bien. La seule chose qui va me manquer... à peu près proche, c'est un stockage pour les graines. Bon, après on est peut-être pas obligé de faire un stockage pour les graines. Parce que je vais pas non plus... je vais pas non plus... faire une activité hein, de construire des robots. Alors, on va construire... déjà un robot qui va aller chercher les pioches et les mettre dans le stockage. Voilà. Hop. On va chercher une graine. Mon robot chargeur là il est bien ou pas? C'est lui? Ouais je pense. Il va falloir que je m'occupe de lui parce que... Attends, d'abord on va te recharger toi. Voilà. Et donc ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas aller chercher les pioches. Tu vas les déposer là-bas. Et voilà, t'es parti. Très bien. On va quand même aller chercher des graines. À plusieurs. C'est bien. On va les déposer ici. Ça nous permettra d'aller un tout petit peu plus vite. On va commencer hein, de toute façon. Et pour ça. Voilà, donc on va aller prendre une petite bûche. Cool. Je fabriquais 10 outils de chaque. Fabriquer, stocker, voilà. Ok. Bon, après ça, on peut le faire à la main pour le moment, hein. C'est pas non plus choquant. Mais bon.
Profitons quand même. On a tout ce qu'il nous faut. Je vais en prendre 3. Je fais moite moite. Donc là du coup, puisque je veux faire un nouveau robot, hop, je vais aller me chercher des planches. Alors, mon nouveau robot, il va aller récupérer du bois ici. On y va. Ouais. Mais évidemment, je l'ai pas fait correctement. C'est pas grave. Voilà. Il va aller récupérer du bois ici. Il va le déposer ici. Dire maintenant que tu prends ça. Non. Jusqu'à ce que j'ai les mains pleines. Ça va être chaud, hein? Je pense pas. Puis que tu vides ici. Non, c'est toujours pareil. On peut le faire qu'une fois. Non, c'est vrai. Je suis bête, hein. Parce que on l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Ah bah voilà. Tant pis. Bah du coup, tu vas faire des planches et des planches et des planches. Voilà. Et quelqu'un viendra chercher les planches et les mettre dans le stockage. Moi, certainement. Du coup. Donc là, on va faire le robot qui va transformer des planches en poteaux. Tu vas aller chercher des planches là-dedans. Voilà. Et tu vas les transformer en poteau. Voilà. Après, je pourrais faire avec un même robot, peut-être. Lui dire. Parce qu'il me reste 7. Ouais, mais ça fait 5 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5.
Je vais tenter. Si je lui dis ensuite, tu vas déplacer là. Faire ça. Bah, attends, mais faire ça. Ok, de nouveau ça. Ah ouais, on peut répéter une fois les deux là. Il va faire une fois, il va faire ça. Ouais, comme ça, ça m'évite d'en avoir beaucoup trop. Comme c'est en train d'être le cas. Ouais, ça me semble bien ça. Bon, allez, hein. Ouais, on va faire ça. Du coup, toi, on va pouvoir te prendre pour faire autre chose. D'ailleurs, on va le prendre, je sais pourquoi, mais en plus, on va le prendre pour supprimer tout. Tu vas aller chercher les planches. Ici, hein, pas de soucis. Jusqu'à ce que tu aies les mains pleines. Tu vas les déposer là. Jusqu'à ce que tu aies raté. Les mains vides. Voilà. Et 5, là ça va pas tenir. On est 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ouais. Bah, c'est pas grave, il va déjà faire ça, c'est pas mal. Et le tout pour toujours. Et voilà. Bon, c'est pas mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Oh purée. J'ai beaucoup trop de bêches. bon, alors sur le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va tenter de faire? On va tenter d'optimiser un petit peu tout ça là. Faire en sorte que ça marche mieux. Peut-être mettre un peu plus de bonhomme ici à travailler. Ça permettra un peu d'écouler le stock de pioches, de bêches. Et puis, après, on verra. On va tenter de réaliser les différents objectifs. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à laisser un pouce, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, on se revoit très bientôt pour la suite. Allez, ciao.